Salut tout le monde, c'est Julius. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme d'habitude, avec mon petit Rick. Où dans le dernier épisode, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé le livre de menuiserie que je cherchais pour pouvoir commencer à faire la menuiserie chez moi et commencer à poser des caisses autour de ma base. Bon, pour cet épisode, déjà ce que je prévois, je sais qu'il y a beaucoup d'items dans ce poste de police. Mais je vais pas pouvoir tout prendre. Alors ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi. Je vais poser toutes mes affaires que j'ai récupérées dans mon sac juste ici. Essayer de faire un petit peu de rangement. Hein. Et déjà, je sais qu'il y a un petit zombie à l'intérieur là. Je sais pas où il est. Je vais lire certains livres comme le livre de menuiserie 1. Après, il faudra que je m'attaque au 2. Et je vais commencer à faire ça. On va voir s'il y a quelque chose à boire ou à manger ici. Oh, bon, il y a une petite bière. On va éviter de boire ça directement. Hein. Ah, les conserves d'ananas. Est-ce que je peux... Non, je veux pas le manger. J'ai juste soif. Bon. Ah bah, il y a un collecteur d'eau ici, c'est vrai. Ah, c'est dans la pièce où j'étais avant. Ok. On va boire. Et je vais rentrer tranquillement. Là, je suis assez... J'ai une charge lourde. On va éviter de faire trop le fou ici. Hein. Ce poste de police. Là, j'avais récupéré tous les livres dont j'avais besoin. Je vais essayer de parler trop vite parce que sinon, comme je compte tenir jusqu'au build 42 avec ce petit personnage et continuer cette aventure, je vais surtout pas mourir. Allez, les zombies là. Eh, hey, salut toi, ça va? Attends, tu veux que je m'occupe de toi? Ouais. Et après, je fais un petit pipi. Ah bah non, j'ai pas la clé. On part. Ah oui, c'est vrai, au passage, j'avais oublié que il y en avait une là-dedans. Qui est devenu un rampant. Tant pis pour elle. Ouais, comme on peut voir, je l'avais montré au dernier épisode. Hein, en livre, j'ai rien lu. Hein. Alors, il va falloir que je m'attaque à ça. Hein, parce que peut-être la menuiserie, je suis monté au moins au niveau 1. Et un petit zombie. Hein. Bien sûr. Allez, viens me voir. Oula, 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 oula. Ah non, faut pas m'attaquer par derrière. Hein. Le plus dangereux, c'est ça. Hein. Attendez. Oulala. J'ai failli faire nouveau l'erreur comme d'habitude. A chaque fois que je reprends la partie, j'ai un peu de mal. Hein. Heureusement je m'entraîne assez sur mon serveur. À combattre. Bon allez, maintenant faut que je rentre. Hein. Je suis venu à pied. Je vais être assez lourd. On va faire un petit pipi. Et on retourne à la maison. Ok, il y en a juste un qui me suit, c'est pas grave. D'autres ils montent en haut. Allez, on rentre. J'ai quand même le tué celui-là. Hein. Le problème c'est que je suis quand même bien lourd. Allez, ah ben non, il a suivi l'autre à casquette. Allez, venez, je vais me reposer de toute façon juste après. Ça c'est terminé. Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai de la petite visite ici. En fait, je commence à avoir l'habitude. Quand j'ai réglé ma partie, j'ai fait en sorte que les zombies migrent très rapidement. Ah ouais, c'est quand même trop. Hein. C'est à peu près comme sur mon serveur. Mais là, à chaque fois que je reviens... Bon, au moins, je les tue. Bon, je suis lourd. On va essayer de pas trop se fatiguer. Allez, Rick, là, c'est un combat pour rentrer à la maison. Nickel. Alors qu'est-ce qu'il m'a droppé 38 spécial. Oh, je l'ai pas pris. Je sais que je vais le ramasser. Je vais le ramasser un jour. Allez, je vais faire ça. Je vais ranger tout ce que j'ai dans mon sac. Je vais livrer le petit livre de menuiserie. Après, il va falloir que je vois si j'ai pas un petit bidon d'essence dans mon petit véhicule avec lequel je suis venu ici. Commencer à mettre la lumière dans ma petite maison, entre guillemets. Allez, c'est parti. Pour un petit peu de rangement. A few moments later. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai posé à peu près tout ce que j'avais plus besoin sur moi. Comme le parfum, comme le petit chargeur, les cigarettes, les cartouches de fusil à pompe. Pour le moment, le fusil à pompe, j'en ai pas. J'ai laissé comme ça. Au moins, je sais que c'est là-dedans. Bien sûr, c'est du rangement improvisé pour le moment. Une fois, je me ferai une petite pièce de l'autre côté, là. Ça, ce sera ma chambre.
de l'autre côté pour faire des petites caisses et tout ranger correctement. Les armes avec les armes et tout le reste. Bien sûr, là, ce que je vais profiter, c'est mon livre de menuiserie 1. Et le lendemain, je vais commencer à démonter ces petits lits pour être au moins au niveau 2. Et pour de toute façon, il me faut le niveau 3 en menuiserie pour pouvoir commencer à faire les caisses et les clôtures qui sont là. Bien sûr, le purée clôture, c'est le niveau 2. Je vais faire les choses au fur et à mesure. Je vais lire ce livre. Je vais dormir. Et nous, on se retrouve le lendemain. Si j'ai bien sûr fini mon petit livre à lire. 6h40. C'est magnifique. Bon, comme on peut voir, j'ai grave faim et grave soif. J'ai réussi à lire 75 pages sur 220. C'était assez long pour lire ce petit livre. Bon, je vais quand même le terminer. Comme ça, je démonte tout. Là, je vais commencer à avoir de l'XP. Hein. Comme on peut voir, multiplicateur 0,9. C'est pas assez. Et comme ça, les lits, ça va être très bon à démonter. Et je vais faire aussi une petite sortie hein, tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est un peu de farm. Allez, termine ton livre, mon petit livre. Mon petit Rick. Je me suis un peu loupé sur ton nom. Allez, c'est parti. Nickel, mon petit livre, c'est fini. Et bien sûr, en même temps que j'étais en train de lire, comme d'habitude, j'ai oublié de regarder pour faire pipi. Et en fait, voilà. Mon pantalon imbibé d'urine. C'est magnifique. Bon, de toute façon, depuis le début que je commence cette série, pour la saison 1 et même pour la saison 2, de toute façon, mon pantalon est toujours plein d'urine. Alors, il va fumer, faut que je le fasse manger parce que là, ça craint un petit peu. Hein. J'étais tellement pressé de terminer ce livre que c'est assez long. Voilà. Il a fumé. Va falloir que je me lave aussi au passage parce que ça va pas le faire ça. Hein. Allez, mange des chips. Ouais, j'ai que de la malbouffe. Hein. Je suis désolé. C'est comme ça mon petit Rick. Oui, le ventre. Ah bah tiens, il pleut. Ça c'est magnifique aussi pour mon petit champ à l'extérieur. Faut que tu bois. Et qu'est-ce qui est encore imbibé d'urine? C'est mes chaussettes là ou comment ça se présente là? Ah bah il y a ça aussi. Allez, on va laver. On va se laver là. Je sais pas s'il y aura assez. Bah faut que j'enlève ça aussi hop, au passage. Bon tant pis, toutes mes protections. Va falloir que je trouve du savon pour laver ça. Voilà, nickel. Tant pis pour ces protections. C'est la vie. On va rester en slip. pour le moment. Hein. Je vais essayer de me trouver un petit pantalon dehors. Lave-toi complètement. Voilà, nickel. Bon écoute, on va faire de la menuiserie en slip. Pas le choix. Ou soit j'ai peut-être un petit pantalon qui traîne là-dedans. J'ai cru en voir un avant. Ah bah voilà, il y a un petit pantalon. Magnifique. T'as de la chance. Ah bah voilà, c'est un pantalon assez spécial hein, avec mes petits jambières là. Bizarre. Allez, je vais démonter ça. Ça va donner beaucoup d'XP. Je vais laisser juste un seul lit. C'est parti pour le démontage de lit. 15 d'XP. Hein. C'est magnifique. Allez, on termine ça. Voilà, 99 sur 150, c'est pas assez, mais je pense qu'à ma base, il y a encore assez de choses à démonter. Je passe juste aux petites toilettes. On se nettoie. Et je vais essayer de faire un peu le tour pour voir s'il y a un peu encore des choses à démonter. C'est dommage que démonter ces tables hein, sans avoir l'XP. Ouais, il y a ces bureaux. Hein. Allez, en rapide. Bon, faut les démonter en deux morceaux, j'ai l'impression que c'est bureaux. Ça fait 7,50 par morceau. Voilà, 129 sur 129. Il me manque pas grand chose hein, pour la menuiserie. Hein. Ah ben, y a un petit zombie là-bas. Hein. Il y en a même deux. Ouais, ils m'attendent, hein, c'est Sanigo. Hein. Ah, le mieux, c'est qu'il faudrait que je démonte beaucoup de livres un peu partout. Hein. Allez, je vais faire ces tables en rapide. Alors, ce qui est plus rapide aussi, hein, c'est faire comme ça avec la petite commode et démonter. Tout aussi bien. Voilà, plus de chaises. Je suis très proche du niveau 2. À mon avis, ces armoires vont y passer aussi. Ça, c'est des livres à lire. Hein. Très important. Pour le moment, je jette tout par terre. On s'en fout. Allez, je démonte ces commodes.
Voilà. On est passé d'un niveau. Il me manque plus qu'un niveau. Et c'est bon, je peux faire les caisses. Alors, je suis bien sûr. Désolé, c'est que du farm pour le moment. Et projet de Zamboui, de toute façon, c'est ça. Hein. Faut passer par ces moments de farm pour faire sa petite base. Je peux pas faire que des sorties. J'aurai aucun but à faire que ça. À tuer que des zombies. Et je vais chercher le livre menuiserie 2 pour le lire. À mon avis, il y a de nouveau une petite journée qui va passer. One eternity later. Et voilà, enfin. Bon, on est le lendemain, bien sûr. 13h40. Ça m'a mis tellement de temps à lire ce livre menuiserie. Bien sûr, je me suis retrouvé dans les toilettes à ce moment-là. Hein, parce que il fallait faire ses petits besoins au passage. Et je viens de remarquer que j'ai toujours pas mon pantalon. Je sais pas comment ça se fait. Il me semblait l'avoir mis. Alors, bien sûr, j'ai changé un petit truc. C'est que là, comme il pleut, je vais voir si je peux pas planter encore d'autres choses. Pour le champ. Parce que là, manger que des chips et du chocolat et tout ça. Oh, mon petit Rick va jamais maigrir. Et j'aimerais bien qu'il maigrit quand même. A chaque fois j'ai des persos gros au début. C'est vraiment pour le trait que je voulais garder. Alors j'ai eu un autre trait aussi paresseux. Ah, ça c'est pas bon d'avoir. Hein. Allez, enfile-moi le pantalon. Voilà. Je sais pas pourquoi il l'avait enlevé. Ah oui, c'était au moment où j'ai fait mes petits besoins. On va jeter tout ça à la poubelle. C'est la vie à la base. Alors, est-ce que je peux descendre sans trop de soucis là? Là, je suis en forme. Ça va être un peu risqué hein, d'aller faire le champ. Mais faut que je le fasse. Alors, est-ce que j'ai toujours mon déplantoir? Ouais, il est là. Ce chocolat en forme de cœur, c'est un zombie qui me l'a donné. J'ai pas envie de le. Je sais pas si je vais le laisser, je vais le manger. Hein. Allez, vas-y, tout de toute façon, le petit camouflage, on va le laisser là. Ah non, on va le mettre. On va le mettre comme il pleut. Voilà, nickel. Tu vas juste enlever la capuche parce qu'avec ton chapeau, ça le fait pas trop. Voilà, nickel. Comme il pleut, t'es bien habillé. Allez, on va essayer de descendre là. Hein. Bonjour. Les petits zombies qui ont migré là. On va aller faire un petit peu d'agriculture vite fait. J'entends pas, c'est un zombie en fait. Tant que je suis en bas, il y en avait qui étaient ici, hein, des petits zombies. Hein. Tant que je suis en bas, je vais juste vérifier dans le coffre. Ah voilà, j'ai un petit bidon. Oula, 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 oula. Oula, paresseux, c'est passé. Nickel, c'est très paresseux. Mais là, elle a pas même chopé. Hein. C'est tellement dangereux quand on fouille. Comme ça, surtout s'il y a un orage. Oh, c'est bon. Laisse-moi juste prendre mon bidon d'essence, s'il te plaît. Et j'aimerais bien peut-être siphonner celui-là. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'essence là-dedans. Là. Allez, allons voir derrière. Ah bah, il y a un petit zombie là, tiens. J'ai tellement hâte de fermer ma base pour être tranquille. Allez, viens. Ah bon, vous êtes deux en plus. Allez, faut mourir. C'est bien, ça me rappelle qu'on est toujours sur projet de Zamboïde au moins. À faire un peu de farm comme ça. Est-ce que je peux planter d'autres choses encore? Je suis rentré à l'arrache en fait, mais... Alors, il y a des paquets de graines de brocoli et de radis. Je vais planter les brocolis. Hop, hop, hop. Hop, 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 qu'est-ce que tu viens faire toi là? Ah ouais, moi je sors comme ça. Ah là, je serai jamais tranquille tant que j'aurai pas fermé. Hein. Je croyais que c'était un rampant là avec l'herbe qui a bougé. Je vais me mettre dans ce sens. Je vais faire un petit sillon. Ah, faut vraiment profiter de planter hein, quand il pleut. Voilà. Comme ça, deux petits brocolis. Ça pourrait le faire. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Alors, il y a des choux et des brocolis. Et là, je vois vraiment, vraiment plus rien. On referme ici. Alors, il y a ça que je pourrais planter. Hein. C'est des genres d'arbres. Je sais pas si j'ai les moyens de le planter. Alors, je vais tenter juste un. Je
croyais entendre un petit zombie, mais il y en a pas. Hein. Ah oui, je peux le planter. Alors on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est planté, ça va être arrosé. Information. Voilà, desséché. Et ça va faire un petit arbre à récolter. Alors je sais pas, ce sera un petit peu de citron. Mais ça, on va le planter aussi au passage. On verra au fur et à mesure des épisodes. Puis l'arbre sera là. On va creuser un petit sillon encore ici. Ah, t'arrêtes pas de pleuvoir, hein, surtout. Super, l'event. Merci. Merci, c'est trop sympa de ta part pour attirer les zombies. Oula, 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 oula. Oula. Putain, en fait, ils arrêtent pas de faire le tour. C'est un peu chiant, ça. Je suis un peu lourd. Laissez-moi faire mon petit fermier, s'il vous plaît. Rick, il a déjà aimé faire la ferme. Bon, je vais le garder là. J'ai pas réussi à faire mon sillon, je sais pas pourquoi. Il y a des planteurs, on va le poser juste là, tiens. Comme ça, c'est ici. Et je viens de penser à un truc, hein, avec le mode Essential Craft, je peux me faire des boîtes de couteaux avec la ferraille. Voilà que j'y pense. Oula! Oula là là! T'es où, petit zombie? Ah bah t'es là, viens me voir. Viens me voir s'il te plaît. T'as rien à faire là, mon petit. Enfin ma petite. Bon bah je vais continuer de faire mon petit farming. Je vais voir s'il n'y a pas de l'essence dans le camion à récupérer. Non, il n'y a pas d'essence. C'est pas cool. J'aurais pu avoir un peu d'essence. Hein. Bon, tant que je suis en bas. Oulala là là là. Ici. Heureusement qu'ils font du bruit. Quand ils sont dehors. Quand ils se rapprochent de vous. Allez, meurs. Eh, me faites pas peur comme ça. Hein. Bon, tant pis, je vais prendre de l'essence de celui-là. C'est dommage, il y a des véhicules plus haut. Hein. Allez, je tente le coup. Je tente cette sortie. Bonjour. Ah ouais. Ah ouais, c'est juste à côté de chez moi. Hein. Bon, faut mourir. J'ai carrément bégayé quand j'ai dit ça. N'aie pas peur, Rick. Combat sous la pluie, tu aimes ça. Alors lui, là, il arme dans le dos. Mais je vais bien sûr, à mon avis, récupérer. Allez, les deux. Hein. On va utiliser le véhicule comme d'habitude. Non, non, doucement, doucement. Ok, je suis grave trempé. Je peux vite m'essouffler quand je suis bien trempé comme ça. Oulalalala. Oulala. Eh, cet épisode, je passe beaucoup. Tout près. Mais il me touche pas. Ah, il était temps. Bien sûr, tout le temps sur les cadavres des zombies. Alors, je vais juste voir son arme à lui. Hein. Son fusil MSR 788. Ouais, on va le récupérer. Hein. Comme ça, je le laisse pas ici. Ah, là, maintenant, je suis trop lourd. Ça m'arrange pas, ça, d'être trop lourd. Alors, pour pas l'oublier, je vais le poser là. Voilà, je risque pas de l'oublier, comme il est posé ici. Et maintenant, je vais boire un coup et je vais continuer un petit avancé pour prendre un petit bidon d'essence. Profite d'être dehors. Je vais aller voir ce petit camion. Normalement, en faisant un clic droit dessus, je le saurais directement s'il y a de l'essence. En fait, il n'y a pas d'essence. C'est pas cool, ça. Hein. Le taxi. Alors, peut-être que maintenant, ça joue quelque chose d'avoir... faut peut-être que je le mette dans mon inventaire, le bidon. À voir. Ou sinon, faudra que je ramène vraiment un générateur ici. Ouais, non, il n'y a pas d'essence hein, dans ces véhicules. Ah, mais j'avais même pas vérifié là-dedans s'il y avait quelque chose. Il y a un cadavre de femme. Magnifique. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Mais il voulait transporter peut-être sa femme. Ou je sais rien, mais c'est bizarre. Alors, je t'ai entendu. Ah ouais, je vous ai entendu, vous. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils migrent vers chez moi et au moins ça les tue au fur et à mesure, aller un peu plus loin là. Allez viens.
commence à taper très doucement là. Vu que je suis trempé. Oui, tu veux mourir. Allez, viens. Tue tes potes par terre. C'est réglé. Putain, dites-moi que. Putain, y'a qu'aucun véhicule qui a de l'essence. Voilà, nickel. Moi, ce qui m'intéressait, c'est faire ma menuiserie et prendre de l'essence. Mais j'ai pas envie de repartir dans un combat éternel avec vous. Tu voulais pas rester par terre là? Voilà, reste par terre. Ah! D'accord. Bon, bah, Rick, t'as pas le choix. Ah, bah, je vais te prendre du tissu déchiré, hein. Heureusement que je t'ai arrêté dans un petit coin. Ah! Il m'a entendu. Il m'a entendu faire des petits besoins juste à côté. Allez! Au revoir. Alors, on s'essuie les fesses et je continue. Faire un filtre en tissu. Alors ça, un filtre en tissu. Non, j'ai pas besoin. Voilà, nickel. Alors, jette le petit tissu déchiré sur un des zombies. On va garder celui-là. Et ça se calme un petit peu, hein, la pluie. Ah, ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche, les petits zombies. Je sais pas si vous avez vu. On va poser ça. Je vais vite me les faire. Comme ça, le petit groupe. Ouais, ouais, mais ils sont proches. Vous êtes des salopards quand même. Je voulais avoir un véhicule là-bas. Et au final, c'est pas possible. Allez, j'ai pas le choix parce qu'en fait, je voulais démonter des choses à l'intérieur de la station service. Bon ben, c'est reparti pour un petit peu de combat. Un petit peu de farm, un petit peu de combat. C'est nickel. Pour un petit épisode. Ah ouais, d'accord, je suis fatigué en plus. Ah, c'est pas grave. Allez, ça, ça part, ça vole. En fait, je sais pas si j'arriverai à faire le groupe en haut, hein, parce que je suis trop dans le mal. Quand on voit à droite, j'ai trop de malus. Il y a encore un fusil MSR là. Ouais, je le mets par terre. Mais la soif, la faim, la fatigue. Mais il me semble que j'ai de quoi m'enlever un petit peu la fatigue dans mon sac. Ah non, c'est pas ici. C'était en haut, dans ma cuisine, que j'avais vu ça. Bah, c'est pas grave. Faut que tu manges quelque chose déjà. Ah, un petit chocolat de nouveau. Hein. Chocolat en forme de cœur, je le mangerai un jour si je suis contaminé. Voilà, comme ça, c'est déjà bien. Et t'as soif, mais on va attendre pour la soif. Ça, je suis un petit peu essoufflé. On va s'asseoir, récupérer. Voilà, j'ai bien récupéré. Faudra que j'attende le lendemain pour vraiment accéder en haut. Tant pis, il est déjà 20h50. Je vais profiter de démonter des choses chez moi. Ouais, ce que je vais faire, j'ai siphonné celle-là. Hein. Tant pis. Ah bah j'ai oublié mon jerrycan là-haut. C'est super. Mon petit jerrycan, trouvé que j'allais t'oublier ici. Non, pas du tout. C'est le seul que j'ai, je vais pas t'oublier. Alors, siphonner un tout petit peu. Voilà, nickel. On va laisser un petit peu dedans au cas où c'est un gros groupe de zombies qui arrive, je les écrase. Avec ce véhicule. Et on va allumer ce générateur un peu. Je veux de la lumière. Normalement, ça va attirer les zombies au cas où. 80% de carburant. C'est nickel. Ah, la lumière. Que la lumière fût. Voilà. Bon, je suis fatigué, je suis trempé, j'ai soif. Allez, on boit un petit coup. Et je vais passer la nuit tranquillement. One eternity later. Bon, mon petit Rick a passé une bonne petite nuit. J'ai passé le jour. J'ai mis de l'essence dans le générateur. Et en fait, je l'ai allumé. J'ai fait un petit test. Ah, ça pue ici. Hein. Ah oui. Je crois que j'ai fait un petit pipi pas très loin. Mon petit Rick. Ouais, je sais que ça pue. En fait, j'ai fait un petit test. Hein. Enfin, je l'ai allumé. Avant d'aller dormir. Pour voir. Pour avoir de la lumière. Et en fait, bon, je voulais couper. Après, je suis directement allé dormir. Passer le jour, la nuit. Et en fait, si je l'allume ici, j'ai un problème. C'est que
Ça fait comme si je suis à l'intérieur. D'un coup, je suis en train de partir, je commence à perdre la vie. Et ben, je suis revenu, j'ai éteint le générateur. Parce qu'en fait, c'est la terrasse là, c'est comme si c'était à l'intérieur. C'est dommage, je peux vous faire un petit peu le test. Si je l'allume ici, comme vous pouvez voir, c'est nickel. Mais je commence à perdre de la vie. Comme on peut voir là. Je descends. Et c'est pas bon. Alors, je vais l'éteindre. Il va falloir que je fasse un petit trou, peut-être au milieu là. Peut-être au milieu, je vais faire un petit trou. Vers ici, je vais faire un petit plancher. Et comme ça, je pourrais poser le générateur. Et comme ça, il prend toute cette zone à peu près là. Ici, la cuisine et là-bas. Bon, c'est dommage. Comme c'était juste à côté de la cuisine. On verra où c'est ce que je vais le poser. Hein. Bon, moi, j'ai un objectif. Maintenant, j'ai mis de l'essence. C'est augmenté jusqu'au niveau 3 maintenant pour continuer ma petite menuiserie. On va sortir. Pas le choix. Et là, un jour, faudra que je nettoie, hein, vu que j'ai fait un petit pipi. Je sais même plus à quel moment je l'ai fait. Hein. Ouais, t'as envie de fumer, je sais, mon petit Rick, mais c'est pas grave. Allez, on sort. Je vais aller voir vers la station. C'est à nouveau encore un peu de monde à tuer. C'est bien qu'il pleut, hein. C'est bien pour mon petit champ. Alors, il y a un petit zombie là. Tu crois que je t'avais pas vu là, tu te caches avec le poteau? Non, ça marche pas comme ça. Hein. Allez, je vais aller voir tes copains plus haut. Hein. Allez, toi t'es fini. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la station service. Ah, mais il y a des bonnes choses à démonter qui donnent beaucoup d'XP. Et comme vous voyez là, le groupe, il migre. Il migre vers chez moi. Il se déplace. Bon, au moins, je pourrais accéder très bientôt au petit mall qui arrive plus haut. Voilà, Rick, c'est bien. Tous. Bien sûr. Et allez voir ce fameux drop qui est vers là-bas. Hein. De toute façon. Allez, faut mourir. Ah, t'as tes spéciales, toi. Voilà, tombe par terre. Ouais, je te loupe pas, toi. T'inquiète pas, je suis en forme, là. Pour vous tous. Ah ouais, d'accord. Je suis encerclé de nouveau, là. C'est de nouveau encerclé. Tant que j'aurai pas tué tout le monde dans cette ville, l'avancée va être très compliquée. Ouais, mais vous allez pas me lâcher, en fait. Oh, attends, toi, mets-toi un petit peu de côté là, parce que je crois que t'as un pied de biche. Je vais te tuer ici, voilà, nickel. Je vais m'éloigner vers là, comme ça le corps va rester. Et cette pluie va pas s'arrêter de toute façon, à mon avis. Hein. Allez, c'est parti. Point de massacre. En fait, depuis le début que je suis arrivé à Ethiopia, j'ai l'impression de ne pas avancer. À chaque fois, je vide, ils se déplacent, ils remplissent de nouveau la zone vide. J'avance, hein. J'essaye. Il y a tous ces corps-là qui prouvent comme quoi j'essaie d'avancer, mais c'est très compliqué. Hein. Très compliqué si à chaque fois ils remplissent une nouvelle zone. Le corps, voilà, c'était un pied de biche. Je vais te le prendre, hein. Ma belle. Merci. Merci d'avoir eu un pied de biche sur toi. Donc ça, s'il casse le mien, c'est nickel. J'en aurai un autre. Alors, t'as ce groupe là-bas aussi. Hein. Ah oui. Migrer, mais seulement migrer. On va aller voir plus haut. Je me demande même si ce serait pas bon de sortir le pistolet, mais c'est sur le pistolet. Juste à quitter cette ville. Faire attention parce qu'ils peuvent venir sur la droite ici. Bah, cette pluie elle m'arrange pas. Hein. Un combat sous la pluie comme ça. Laissez mourir aller au moule là-haut. S'il vous plaît.
Voilà, retombe par terre, toi. C'est terminé. Une partie sur le grand nombre encore qui est là-haut. C'est super. Est-ce que je vais aller voir dans le bâtiment s'il y en a qui ont migré là-haut, dedans. On va voir s'il n'y a pas moyen. Alors. Des grands œufs au chocolat pourri. Magnifique. Oh, boîte en chocolat en forme de cœur. Et je peux l'ouvrir. Ah bah voilà d'où ils viennent. Ah, on va garder ça. Précieusement. Je sais même pas si je les avais vus. Hein. Ou soit c'est, je sais pas si ça respawn, mais il me semble pas l'avoir mis le respawn. Hein. Je vais quand même prendre cette bouteille d'eau. Et là, il y a de quoi. Voilà, truc du Dr. Hyde. Peut-être. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le vaccin. Je vous entends, hein, je vous entends. Je vous entends, je me repose juste. Hein. J'ai que 77 en endurance. On va s'asseoir. J'allais dire je vais m'asseoir ici, mais non. Je vais me mettre là, en plein milieu, pour avoir le temps de me lever. Et au moins, je vais sécher un petit peu. Allez, repose-toi, Rick. Et en fait, c'est ces choses-là que je vais démonter. Ça donne beaucoup d'XP si j'y arrive. On va juste tout jeter par terre. Et est-ce que je peux démonter maintenant? Oui, voilà, je peux démonter. Hein. Non, non, arrête-toi. Allez, faut que tu te sèches un peu. J'ai vu un petit un torchon juste à côté. Il me semble que c'était dans ce conteneur. Ouais, voilà. Se sécher. Voilà. Bon, moi, je suis un petit peu moins trempé. On va ranger là. Allez, venez là. Vous avez rien à faire derrière ma base. Parce qu'à un moment, vous allez me choper. Et ça, je veux pas ça. Ah, comme on peut voir, en fait, ils viennent du nord de la ville. Vers le sud, là-bas, j'avais tout cramé. Pour ceux qui se rappellent. Alors, c'est pour ça que j'ai moins de vagues de zombies vers en bas. Au lieu que vers en haut. Ici, c'est comme avec l'avion l'autre fois. Ils ont migré. Et voilà, ils se déplacent encore. Hein. Déplacez-vous seulement. Ah, voilà, ils arrivent. Ils arrivent pour mourir. Attention, pas que je prenne trop confiance aussi. Allez, tombe par terre. Même si je cours un petit peu, c'est pas grave. Allez, c'est là que je voulais l'avoir. Et un de plus. Ça fera combien au compteur? Jusqu'à avec mon pied de biche qui tient le coup. Là, ça arrive en masse derrière. Ça arrive en masse derrière. Oula, je croyais que t'étais plus proche toi. Hein. Oh bah s'il faut, on va à mon véhicule. Attends, faut se mettre à la queue leu leu. Ah, ça vient aussi de là. Ah oh, bah écoutez. Je pense que... Je vais juste les terminer. C'est là. Que je puisse penser à autre chose. Attendez, attendez, on vient vers là. Je commence à être essoufflé en plus. Ah ouais, d'accord. J'ai un petit comité d'accueil là. Ah ouais, c'est du joli tout ça. Hein. C'est essoufflé mais pas impossible. Allez, c'est parti. On va tenter. Bon, ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment mon véhicule pour les séparer à chaque fois parce que j'ai beau partir, je reviens, il y a toujours des zombies. Allez, venez. Là, je commence vraiment à être essoufflé. Je suis à 71 en endurance. J'ai encore un peu de marge, mais ça va être très compliqué là. Allez, Rick. Faut qu'on les termine avant. Comme ça, on peut être tranquille. Peut-être. C'est tout le temps ça pour le prochain épisode. Allez, combat-toi jusqu'au bout. Allez, faut que j'aille me reposer là. Pas le choix, je peux pas avancer comme ça sous la pluie. Trop longtemps. Sinon la mort sera avec moi. Oh là là, c'était très 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 dur.
Allez, repose-toi.